Et la une de l'actualité, on revient bien sûr sur le débat hier entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Un débat attendu qui avait plusieurs buts, opposer les programmes des deux candidats, mais aussi éclairer les électeurs les plus indécis. Une autre question était dans toutes les têtes, que vont voter les électeurs du Modem et du Front National? Et ce matin, Pierre Beauvilain et Lucas Tostin se sont rendus à Wattrelos, ville où Marine Le Pen était arrivée en deuxième position au premier tour, avec 28% des suffrages derrière François Hollande. Sur le marché, la quasi-totalité des personnes interrogées ont vu le débat, la plupart l'ont trouvé intéressant, même s'il a peu changé leur avis. Toujours intéressant à regarder la discussion à condition que ça ne s'envenime pas et puis qu'ils se respectent l'un comme l'autre. J'ai trouvé ça très constructif, malgré des échanges et des pics qui n'avaient rien à voir. On répète toujours les mêmes problèmes et en fin de compte, la solution n'est pas encore arrivée. Hein. J'avais déjà une opinion la première fois. Non, ça n'a rien changé. J'étais indécis. J'ai voté blanc sur le premier tour et le deuxième tour, je sais qui votait. Je suis allée au premier tour, mais là, le deuxième tour, non. C'est tout foutaise, c'est mensonge, c'est tout pour rien pour les autres.